yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can't show you. Aujourd'hui, on a un nouveau challenge, on va dire ça comme ça. Donc on a récupéré d'un client un véhicule avec un souci. Donc il m'a ramené cette voiture. Donc je pense que vous l'avez vu dans l'intro. Donc c'est une Ford Focus EcoBoost en 2 litres ST, 250 chevaux. Et nous avons un souci de compression sur le quatrième cylindre. Donc la voiture tourne sur 3 cylindres donc. Il y a un souci sur le quatrième cylindre, il y a un manque de compression. Donc je vais essayer de voir d'où provient le problème. Si ça provient des soupapes, de démonter la culasse, changer les soupapes, parce que ça arrive que les soupapes brûlent à cause d'une température trop élevée au niveau des gaz d'échappement, ou éventuellement peut-être un autre problème. La voiture ne fume déjà pas, donc je pense pas à un problème du bas moteur, mais on va quand même jeter un œil. On va mettre la caméra dedans, on va aller jeter un œil et voir ce que ça donne et démonter la culasse. Donc c'est parti. Après avoir cherché pourquoi cette compression manque sur ce quatrième cylindre, après avoir pensé que ce soit les soupapes, donc comme on le voit là, après avoir mis de l'essence dessus et vu que tout était normal, c'était étanche, les soupapes d'admission comme d'échappement, que le joint de culasse avait l'air normal, suite au prochain problème. Donc le prochain problème, on l'a trouvé. Après avoir démonté le carter et avoir sorti ça, voilà, là il est le problème. Donc maintenant, pourquoi ça a cassé comme ça, ça c'est toute la question. Donc on voit bien que le cylindre n'a rien. Donc chance que le cylindre n'est pas pris de traces. Maintenant il reste plus qu'à trouver les morceaux qui se trouvent évidemment dans le carter en dessous. Les petits morceaux, ben voilà, les morceaux du piston on les a trouvés, ils sont là dedans. Donc les segments, comme on les voit là, et le morceau du piston. Donc il n'y a plus qu'à nettoyer tout ça et pouvoir remonter. Donc le piston, l'ancien piston, donc on le voit sur le morceau qui manque quoi. Donc j'ai téléphoné chez Ford. Malheureusement Ford ne le détaille pas, donc ils vendent tout un bloc moteur. Donc on avait la solution de prendre 4 pistons forgés ou prendre un piston d'origine. Donc je suis allé chercher sur eBay, on a trouvé un piston d'origine. Donc c'est exactement le même, c'est les mêmes références, tout pareil. Donc on va pouvoir remonter ce piston là à la place de l'autre et ça nous fait un gros gain d'économie au niveau du budget, parce que bon, un moteur neuf c'était je crois 4000 euros il me semble, et bon, 4000 euros pour juste changer un piston, ça fait un peu cher. Des pistons forgés c'était plus de 1000 euros, c'était 6 semaines de délai aussi. Donc du coup on a pris cette option là, j'ai choisi ça, je me suis dit voilà, on remonte un origine dedans qui provient d'une voiture accidentée, donc le moteur n'avait rien, donc la personne vendait les pièces au détail. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost. Après avoir remonté le carter, serré la bielle au couple, comme on l'a bien vu sur la vidéo. Donc là, nettoyage du plan de joint de culasse. Donc le plan de joint de culasse a été nettoyé. Donc là, on voit le vieux piston avec
avec la marque. Je sais pas comment c'est possible que ça a cassé. Moi, je pense que c'est une histoire de respect de température. Je pense que ça a dû taper dedans froid ou quelque chose comme ça. Donc, on va poser le joint de culasse. On va poser le joint de culasse qui est actuellement là. Donc voilà, on pose le joint de culasse neuf. On va poser la culasse et on va vous montrer un peu comment on va faire pour remonter tout ce qui est culasse, serrage et tout ce qui est un peu au niveau de la chaîne distribution. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game. Have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All I got is working. Never stop searching. Never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic. With this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy. So neurotic and chaotic. Go! I'm built to last with the webs I'm weaving. I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas. Never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast. Then you learn how to beat them. If you take. La culasse remontée, après avoir remis tous les arbacams, serrage couple, poussoir, donc chaîne distribution, on est passé au calage de la distribution, donc avec l'outil spécifique qui se cale dans les arbacams, donc là on le voit bien, donc il est calé dans les arbacams. La chaîne distribution étant montée du côté moteur, avec le calage, je vais essayer de vous le montrer, je ne sais pas si on va le voir, hein. Donc si on regarde bien, c'est cette pièce là. Et cette pièce qu'on voit là-bas dedans, donc elle traverse le bloc moteur et elle vient toucher le vilebrequin pour le calage du point moreau. Donc il y a cette histoire de point moreau. Et maintenant on va passer au carter de distribution où il y a aussi encore un calage sur la poulie d'ampère où il y a un point moreau sur la poulie d'ampère. Donc cette poulie doit être calée, n'a pas de clavette, donc doit être calée avec un outil spécifique. Donc surtout bien regarder que le calage distribution est bien fait, qu'il soit bien dans les repères, parce que si la moindre erreur là, je pense que ça croustille direct quoi. Et je pense que là, le monsieur de la voiture ne sera pas content. Le propriétaire du véhicule, je pense qu'il va faire un peu la gueule si ça croustille au niveau des soupapons. Donc là, le calage il est bien fait, donc j'ai bien contrôlé avec les outils, normalement on ne peut pas se tromper, donc tout est fait. Remontage du carter de distribution. Donc le carter de distribution c'est cette pièce là. Donc il n'y a pas de joint sur aucun endroit à part sur le joint de culasse. Il y a des joints sur ce moteur, c'est que uniquement de la pâte à joint. Donc on va remettre de la pâte, bien nettoyer les plans de joint, faire ça propre, remonter, caler la poulie qui va dans cette pièce là. Donc c'est la poulie d'ampère qui va en bas, qui a aussi un calage. Donc c'est parti. Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Voilà, tout est remonté. La culasse complète, la distri, le niveau d'huile est prêt. Donc il reste encore le tuyau d'arrivée d'air, du filtre à air. Bon, ça c'est pas très important. On va essayer de voir déjà si la voiture démarre. Donc si la voiture démarre déjà là, c'est déjà pas mal. Donc on saura que le calage distri et tout ça c'est ok. Donc on va faire un petit essai. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vais m'absenter 2 secondes.
Donc ça a l'air de fonctionner. Donc il ne reste plus qu'à faire les niveaux d'huile, niveau d'eau, remonter un petit peu tout ce qui est accessoire autour et c'est bon. Donc c'est parti. Tout est remonté, donc nous allons procéder à l'essai routier pour voir si tout se passe bien. Et c'est parti. Ah, le bruit il est sympa quand même, hein. Donc l'essai routier est très concluant, donc il y a la pression, température d'eau, pression d'huile, tout est dans les normes, tout a été respecté, tout est ok, il n'y a pas de voyant moteur, il n'y a pas de problème autre, compression ou autre, donc le moteur marche hyper bien, donc là on entend bien, quoi que